Et bonjour à tous, ici Morgan von Bredan. Et on se retrouve pour la troisième mission de notre campagne sur Rebelle SIL. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça. Ah oui, avec les catacombes. Ouais. C'est un bunker soviétique. Les camps d'insurgés en casse plus de frappes aériennes avant d'être détruits. Ah, sur cette carte en plus. Les revenus sont plus irréguliers, l'inflation augmente un peu plus vite. Ah, quel enfer! Les négociations sont pèsent en plus lentes. Ah, quel enfer! Pénurie de béton, pas de garnison. Déploiement prolongé, dialecte régional, marché noir. Ah! Ah, quel enfer! Entendons ça. Le financement instable, la banquière pourrait être sympa. La banquière, quand on a beaucoup d'argent, elle nous génère des revenus supplémentaires. Alors, conseiller. On va prendre un médecin. On va prendre... le chef de la police. Architecte inexpérimenté, oui, pour tirer plein avantage de la banquière, pas con. Mais ça a l'inconvénient de poser notre QG aléatoirement. On va prendre un donateur privé pour encore plus de pognon. Observateur. Ah, quoique, on va peut-être se prendre un observateur plus pilote pour la map avec les bunkers soviétiques là. Alors, je prends le sergent instructeur et la tacticienne. C'est parti. Et ils ont mis notre QG là, ce qui est excellent. Alors du coup j'ai quoi? Oh 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 oh! Ah ouais! Oh oui! Les initiatives d'emploi, c'est celles qui coûtent le plus cher en plus, elles sont déjà développées. Oh j'adore. Et bureau de contact. Oh j'adore. Ah, j'ai dépensé trop d'argent, j'ai laissé l'inflation exploser. Bon, c'est pas grave. On laisse l'inflation retomber, on laisse le pognon s'emmagasiner. Vous voyez, on vient gagner un petit plus 1 dollar gratuit. Bonus, voilà, un autre. Ça, c'est la banquière, ça. Relations publiques et médias. Et anticorruption. Par contre, effectivement, la vache, l'inflation augmente vite! Et justice universelle. Ce qui pourrait être bien aussi, c'est les autoroutes, parce qu'il y a beaucoup d'autoroutes sur cette carte. Regardez ça. De tout cet axe-là, que des autoroutes. Ça va être important. Rumeur d'insurrection. On va attendre un petit peu, laisser tomber l'inflation. Ok, ils sont apparus et ils sont à côté de nous. Donc on va embaucher 2 soldats de la coalition direct. On va les mettre là et là. Comment se j'ai découvert. Voilà, comment se j'ai détruit. Et on va aller protéger notre camp. Une garnison ici? Un peu bizarre, mais d'accord. On
vrai, on va prendre tout de suite une troisième. Comme ça, c'est la coalition. Et tout de suite éliminer ceux-là. Parce qu'ils sont beaucoup trop près de notre QG pour que ce soit confortable. Voilà, et en plus, il y a un autre camp dedans. Non, 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 non. Vous n'avez pas le droit d'aller là. Ça, c'est chez moi, ça. On voit. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qu'il y a du sujet de la santé, de l'électricité et des télécoms? Pour les télécoms, on va être obligé d'attendre un peu pour l'électricité. Oh, dépôt de spécialistes. Allons le chercher. Donc ça, ça va nous permettre de donner un bonus à l'une de nos unités. Un pro des zones urbaines. On va le donner à notre soldat national. Vu que les soldats de la coalition finissent par partir. On va prendre de l'anticorruption, un peu. Beaucoup d'anticorruption. Ouais, c'est pas grave. Une garnison ici, c'est très bien. Ah, qu'est-ce que ça? On va subventionner la télé. Oh là là, on a même pas eu les malus en plus. Grande inquiétude au sujet du manque de télécom. Ne vous inquiétez pas, madame. On s'en occupe. Évidemment, ils saisissent immédiatement l'occasion pour attaquer mon QG. Te, barrez-vous. On va prendre des routes principales aussi. Encore beaucoup d'inquiétudes au sujet des télécoms. On va prendre télécommunications maximum. Et pas mal, la saison de la collection est déjà bientôt finie déjà. On va prendre quelques routes normales aussi. Ah ouais, j'ai pris des dégâts en sortant. On va se permettre de faire un prolongement long. Il va falloir plus d'anticorruption. Voilà, un prolongement long. J'en ai demandé l'accès, oui. Allez-y. Aucune objection. Prolongement long, mais ce sera le dernier. On va les menacer. On va prendre des drones et des frappes aériennes. Une garnison ici, c'est très bien. Ah oui, effectivement, bunker soviétique. Attends, c'était ici les bunkers soviétiques? Hein? Ah oui, c'est ici les bunkers soviétiques. Merde, je suis complètement con. J'accepte 6 supervisions. Voilà, alors quand enfin été détruit, et du coup ça les a dissuadés d'attaquer. Ils ont l'air d'avoir abandonné. Ils ont abandonné cette zone. Ok, bah écoutez, c'est un camp gratuit, hein. Allons-y. C'est quoi ça? Contact établi. Et ben allons-y. On va prendre les subventions aux zones reculées. Un peu de police. On va mettre nos soldats là pour qu'ils déploient les initiatives. Ah! Notre rival. Pression subtile, bien sûr. Et approuver le projet s'il y a de la sécurité. Toujours n'accepter que la sécurité. Plus d'eau, plus de santé, plus de routes. Et extermination de la polio.
Et les insurgés disent qu'ils sont désolés. Parce qu'ils le sont, bien sûr. Hein. Ils sont très, très désolés. Hein, que vous êtes désolés. Vous êtes très désolés. Je veux plus de frappe pour détruire ces camps. Oh. Vous êtes banni. Banni. Excellent avis pour l'hôtel de luxe. Wouh. 3 de réplique gratuit. D'accord, mettre de l'artillerie lourde ne change rien. Il faut juste frapper plus. Voilà. Die, loup. Et un peu plus de police. Plus de santé. Des toilettes. On arrête tous les chefs insurgés. Et eux, on va laisser rentrer à la maison. Ah oui, ça c'est bien ça. Conseillers commerciaux. Une garnison ici, c'est parfait. Les forces restent aussi longtemps que je le désire. Le journaliste nous félicite. Il va falloir laisser rentrer à la maison. Mais on va faire ça. On va faire ça maintenant. Ici, c'est enfin stabilisé. Merde! Pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Droit foncier. Beaucoup d'éducation, beaucoup de toilettes. Carnet de santé. On augmente la paye des soldats nationaux. L'inflation élevée. Oh putain, oui, l'inflation qui a monté qu'à 80%. J'avais pas fait gaffe. Rendez les armes. C'est vrai qu'ils sont solides leur camp, vache. Je dissimule. Je perds la bataille des relations publiques. C'est vrai que j'avais pas amélioré. Je fais une transition démocratique aussi. Et... on va pouvoir aller les exterminer. Tac. 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 Voilà. Prioriser les élections. Et on accepte le traité de paix direct. Et bah ça s'est vachement mieux passé que les précédentes missions. Houhou. Et ben 13 minutes. Cet épisode express. Coup de pression. Les problèmes non résolus importants peuvent générer des révoltes d'insurgés. Oh merde. Garnison avancée. Commencez avec plus de garnison. Ah. Les structures gouvernementales sont indestructibles. Et contrôler manuel en frappe à un yen. Non. Je veux des garnisons. Surtout qu'on a là une mission où il y a pas de, où je ne peux pas débloquer les initiatives de garnison. Mais j'aurai quand même les garnisons qui sont disponibles de base. Enfin, celles que je viens de débloquer. En tous les cas, on va se laisser là. Je vous dis au revoir à tous et à la prochaine.